Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 21h, sur TSO Radio. Cette équipe de bras cassés, au grand complet. Axel, Seb, se surpasse. Enfin, ils essaient. Un show quotidien, divertissant, amusant, mais aussi sérieux. Avec des interviews, de l'actu, et bien sûr, une pluie de conneries. Et en direct. Le Soir Tard Show. Tous les soirs, de 7h à 9h, à l'heure de l'apéro. Sur TSO Radio. Mais pourquoi de 7h à 9h? Bah c'est pareil. Bah oui, 7h à 19h c'est exactement pareil. Bah oui, pareil. C'est 19h, merde. Les aventures d'Axel et Seb sur TSO Radio dans le Soir Tard Show. 3, 2, 1. Le Soir Tard Show sur TSO Radio. Radio. Bonsoir. Oh, il est beau, il est magnifique. Premier numéro du Soir Tard Show, il est 19h, on est tout une fois de plus, c'est la première fois qu'on est c'est tous ça, ensemble, ouais, oui. Ça va m'arriver souvent, ça vous allez voir. Allez, présentation vite fait, parce que pour ce premier numéro, j'ai une présentation pour vous. Oui. Ouh là là. Il sait plus quoi dire. Là, je vais parler, ça va, c'est 31 ans. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis une minute. Depuis 18h. C'est ça. Oh. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Pas bu une goutte d'alcool depuis... Bah j'en bois encore. Depuis ce matin 9h. Messieurs, parce que du coup... On est nombreux. Ils sont plusieurs. Voilà, on donc plusieurs. Vincent, Oscar et Bébert. Exactement. Ouais, salut Sandra. Salut. Laura. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une main, une... Enfin, comme... Non, personne, non. Derrière toi non plus, non. Sûr, ouais. Non, c'est bon. Personne. Romain, bonsoir. Bonsoir, j'adore. Axel. Bonsoir. Et... Kevin. Ouais. Et comment il s'appelle, Joël? Et... Quel est ce dernier personnage? Alors, comme vous l'avez compris, l'émission est à peine préparée. Ouais. Comme souvent. Ah oui. Alors sachez déjà, on va le dire, très cher président, que cette émission maintenant sera diffusée tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 21h. C'est bien ça. Sur tsoradio.fr. C'est ça. Vous pouvez nous écouter sur l'application si vous ne l'avez pas téléchargé. Tout le monde est là ici? Tout le monde là. Oui, bien sûr. Qui a téléchargé l'application ici? Moi. Oui. C'est très bien. Et bien voilà. Et bien vous pouvez nous écouter dessus. Vous aurez une petite notification qui vous dira qu'on est là à partir de 19h chaque soir. Et puis là, c'est parti jusqu'à fin juin. Bon, on espère, oui. Comme la... on est là pour ça. Petite présentation des chroniqueurs autour de la table. Déjà, j'avais un petit truc qui m'avait fait rire. C'était de demander à Google Home de vous traduire. Oula. Eh oui. Je crois le pire. Oulala. De traduire les prénoms. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un de mes problèmes, c'est qu'il y en a un qui est pas autour de la table. C'est dommage. C'est. D'ailleurs, j'entends, il serait pas en train d'arriver. Je sais pas, il y a du vent qui arrive. Si vous êtes là. C'est les Google Dancers ou quoi? La porte bouge. C'est un fantôme. Non. Dédicace à SOS Fantôme. On va essayer de voir si ça marche. Ok. Allez. Google. Oui, grand maître vénéré. Non, mais. Bah quoi? Attends, on recommence peut-être qu'à finir de configurer. Ok, ouais. Google. Oui, grand maître vénéré Axel. Ah, c'est quoi cette autre chose? Ça marche. Votre modestie m'étonnera toujours. On dirait Perrin. Je suis désolé, c'était pour toi celle-là. Ouais. Elle est pas mal. Hashtag Perrin encore une fois. Allez, voilà. Alors Google, je vais te demander de présenter un à un ces magnifiques invités autour de cette table. Est-ce que t'es ok? Je commence. Allez, on commence par le premier du coup. Sébastien. Sébastien, c'est le gros feignant qui branle rien. Voilà. Apparemment, allez vous faire foutre. Non, on est d'accord. Romain l'habite en parpin. Et oui, je le connais bien. Mais le truc est parti tout comment seul. Comment ça? C'est allé ça, Alexia? Non, c'est quoi? Non, c'est OK Google. Ah bah Google, elle est chaude, hein, putain. Là, tu viens d'appeler quand même. Là, tu l'as insulté, tu l'as appelé Alexa quand même. Hein. Elle était dure là. Sébastien, c'est le gros feignant qui branle rien. Ça me fait ouais, voilà. Ouais. Pourquoi deux fois en fait? Parce que tu branles vraiment rien. C'était vraiment pour. Bah, il prend l'autre chose. Il voulait bien assister dessus. On a Vincent aussi, Google. Vincent, le
le seul mec de laine à rentrer en même temps de poignée dans deux trous. Et ouais. Elle est pas mal, peut pas le faire. Hein. Sacré Google quand même. On a Laura aussi, Google. Laura, celle qui se fait appeler la touffe de Wazi sur Doctissimo. La touffe. La quoi? La touffe. La touffe de Wazi. Et on a Hélène. Oh, le pseudo, toi. On a Hélène, du coup. Google, qu'est-ce que t'en penses d'Hélène? Hélène rêve de se taper un asiatique. On en a un. Et on a Nivek. Nivek et l'asiatique. Je te l'ai dit, Kevin, t'étais la cible. Préjugé. Elle est pas mal, celle-là. Et enfin, voilà, pour le coup, qu'est-ce que tu penses de Stéphane? Son surnom, c'est Ghost Rocky. Stéphane alias Ghost Rocky. Bah voilà, tout est dit. Enfant fantôme, quoi. Ben voilà. Je pense que vous aurez compris qui avait préparé cette chronique. Ah bah oui, mais t'inquiète pas pour ça. Bien préparé. Et du coup, j'ai l'impression... Ça vous a plu, cette petite présentation? Oui, c'était... Bon, je trouve que Romain, ça lui va très bien. Ouais, c'est réaliste. C'est quoi déjà la poutre? La bite en parpaing. Ok, Google, qu'est-ce que tu pensais de Romain? Romain, la bite en parpaing. Et oui, je le connais bien. Tu connais quoi, sa bite ou... Elle était pas mal, celle-là. Voilà. Je rappelle qu'aujourd'hui, parce que j'ai oublié de le dire, on va recevoir Olivier Ancelet, qui sera notre invité dans quelques instants. Qui est Olivier Ancelet, Seb? Alors, c'est le président de l'art musical de Guise et le directeur de l'école de musique de Guise. Ok, ça marche. Et bien, dans quelques instants, il sera avec nous sur TSO Radio dans le Soir Tard Show. Et il y a un petit saviez-vous? Maintenant, on l'est. Bah, c'est marqué. On va bosser un petit peu. Parce que si on fait pas là... La brillante service. C'est bon, c'est bon. On est là. On t'écoute. Alors, saviez-vous que le Coca-Cola servait parfois de contraceptif? Non. 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 Alors... Merci pour votre réponse. C'est pour ça qu'on a bu autant hier. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Attendez. Attention. J'ai un petit résumé. Ta gueule. Pardon. J'ai un petit résumé du saviez-vous par rapport au Coca. Alors, tu baisses un ton le ton. C'est bon, je peux parler ou pas? Ça te dérange? Non, vas-y, c'est ton. Alors, s'il y a bien une compagnie qui fait l'objet d'un tas de mythes plus ou moins farfelus, c'est bien le Coca. On dit que si on y plonge une dent de lait ou un steak durant une nuit, au matin, le tout aurait été dissous. On dit qu'avec une bouteille de coke, on peut nettoyer des taches de sang, laver son moteur d'automobile, faire briller du chrome, prévenir la corrosion, faire sa lessive, et en cas de besoin, on pourrait apparemment même s'en servir comme spermicide. Alors, comme quoi? Comme spermicide. Contraceptif. Spermicide, quoi. Voilà. Ah, c'est ça. Tuer le sperme. Un spermicide est un contraceptif. C'est ça, bah, c'est ce qu'il c'est veut dire. Qui tue le sperme. Ouais, ça tue. Comment vous dites, madame? C'est quelque chose qui tue les spermatozoïdes. Visez du coca. Donc, le coca, du coca, il faut que tu te le mettes directement alors. Ouais, la en pipette. Merci à la touffe de Wazi. Merci à la touffe de Wazi. Maintenant, c'est ticket de métro. Je continue. Alors, Coca ne fait certes pas la promotion de son produit en tant que douche vaginale du dernier recours, mais l'idée n'est pas nouvelle. Alors, la conviction commune, l'acide carbonique contenu dans le Coca-Cola aurait le potentiel d'éliminer les spermatozoïdes au contact. Ainsi, la jeune fille qui fait des cabrioles avec son petit copain et qui n'a d'autre recours peut en toute sécurité, en toute légalité et à peu de frais, se décapsuler un soda, secouer le contenant un grand coup et s'expurger pleinement à l'aide du jet effervescent avant de retourner chez papa-maman blanche comme neige. Plusieurs études ont été réalisées au fil du temps afin de tester le produit à cet effet, mais aucune étude valable ne prouve. Hors de tout doute que le Coca-Cola puisse être un spermicide efficace. Il est certes plus que de l'eau, les scientifiques s'entendent là-dessus. Mais à part le fait que le jet produit par l'échappement du gaz carbonique puisse à tout le moins diluer le sperme, ne fait pas du Coca-Cola un tueur de spermatozoïdes. Enfin, par contre, une étude menée par des chercheurs nigérians aurait révélé que Crest, une boisson au citron manufacturée par Coca-Cola en Afrique, s'en serait plutôt bien sorti à cet égard. Si bien que les Africains auraient recommandé des études supplémentaires aux Américains afin qu'ils puissent juger par eux-mêmes du grand potentiel contraceptif de leur boisson locale. Oh, eh bah dis donc, quelle info, la vache. C'était long quand même. Hein. C'était long, hein. On dirait un connaisseur qu'on est, non? Ah, je bois beaucoup de coca, donc... Et du coup, maintenant que je sais qu'il est 19h09, que ça va être les infos bientôt, il y a quand même Stéphane qui vient d'arriver dans les studios, donc on applaudit Stéphane, s'il vous plaît. Donc,
ce qu'elle nous dit Google sur Stéphane, c'est quand même faux. Ah mais il en... et là faut, ouais. faut qu'il mette un casque. Ah oui, c'est vrai, il a pas de casque. Bon bah tant pis alors. On te le fera écouter plus tard. Mais juste Google traduit son surnom parce qu'il s'appelle Ghost Rocky sur les réseaux sociaux et voici comment Google le traduit. Ghost Rocky. Fantôme rocheux, alias Stéphane. Voilà, fantôme rocheux. Fantôme rocheux. Mais du coup, c'est. Fantôme rocheux. Oui. Ghost Rocky. Bah oui, c'est ça. C'est pas de ma faute. Allez, on laisse les infos, puis on arrive tout de suite après. Allez. Sur toujours ici, sur dans le Soir Tard Show, sur TSO Radio. Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes du 19h, 21h sur TSO Radio. Pour quelle raison les hippopotames font-ils l'amour sous l'eau ? Pour quelle raison les hippopotames font-ils l'amour sous l'eau ? Bah parce que c'est comme ça, ils sont plus légers. Ben non, t'as déjà essayé de faire mouiller une chatte de 100 kilos, toi ? T'as déjà essayé de faire mouiller une chatte de 100 kilos ? Le Soir Tard Show.